Bonjour, bonsoir à tous, ici Lucas de la chaîne Requiem, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, vous savez quoi? Je vous reprends comme ça. Je vous ai repris comme si je venais de tourner l'épisode 2 juste après le premier, mais en fait non, ça fait un petit moment que je l'ai tourné maintenant. J'avais envie de tourner l'épisode 2. Du coup je suis là, aujourd'hui je tournerai aussi l'épisode d'une nouvelle série, enfin j'espère, le nombre de zombies est hallucinant. épisode 2. Épisode 1 n'est pas encore sorti, hein. Actuellement, quand je le tourne, celui-ci sortira demain. Sortira demain pour vous. Et du coup, une nouvelle série aussi. Alors, c'est une série de tests. Ça se trouve, pendant que je vais tourner, je vais dire non, non, non. j'abandonne, je ne fais pas ça. Mais en tout cas, je prévois de tourner une prochaine série pour la sortir le mercredi. J'ai entendu un bruit, j'étais un peu distrait. Du coup, par contre, les zombies sont très nombreux autour de chez moi. C'est pas sympathique du tout, ça. Tourne le tour. Mince, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas réglé le problème de parcours. C'est ce qui arrive en. Il y avait du bien là-bas. C'est une citrouille. J'ai l'impression qu'il y a une citrouille éclairée. Alors je me suis mis dans l'eau parce que. Si je vous souviens bien. Merde. Si je vous souviens bien, les zombies. Ne nage plus. Ah oui, ils sont découlés. Par contre, ils sont déjà là. Celui-là a l'air très rapide. Regardez l'énorme créature qu'il y a dans les bois. Plus j'avance, plus je me rends compte que ce shader est vraiment magnifique. Hein. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, par contre, c'est incroyable tout ça. Je ne sais plus vraiment où j'en étais la dernière fois. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait quand même un moment que j'ai tourné. Affronter les créatures. Je vais venir, j'y lance. Ils sont terriblement résistants. C'est pas très palpitant ce qui se passe, mais c'est nécessaire. Oh Seigneur. C'est assez difficile, hein. Alors, je pense qu'on va couper du bois, et miner de la pierre. On va peut-être se faire un petit toit à notre petite cabane. Hein. Je pense que de toute façon, là pour l'instant, mieux à faire c'est s'occuper de mon petit camp de base et ensuite la nuit d'aller miner. C'est sûrement ce que j'irai faire. Et pour ça, j'ai besoin de bois et de pierre d'avance. Si la nuit je me rends compte que j'ai plus de pierre et plus de bois, ça va être un peu compliqué. Bigre. Alors, est-ce que. Bon, oui, hein. Ouais, c'est normal sûrement. Je me pose des questions un peu à la con, c'est est-ce que je vous tease? Est-ce que je vous tease cette série que j'ai envie de réaliser? Teaser un peu. Elle rappellera un petit peu une vieille série que j'ai faite sur la chaîne qui n'est plus disponible. Conquest. Conquest qui devait revenir sur une nouvelle sous une nouvelle formule. Plus mode pack aventure. Oui, il y a des arbres qui poussent. C'est normal, c'est moi qui les ai placés. Je me souviens plus.
Mais ça prend énormément de temps vu que je fais énormément de choses pour la série. Je réalise toutes les créatures et toutes les armes. C'est vraiment un projet de longue date hein, que je suis en train de vous parler, le Conquest Aventure. Ça fait un moment que je travaille dessus. Mais du coup là ça rappellera un petit peu la série Conquest d'époque. Et j'avoue que j'ai un petit peu testé du coup la chose que je vais réaliser. Un petit peu testé. C'est difficile d'en parler sans vous dire ce que c'est. Je suis en train de me rendre compte. J'ai du coup un petit peu testé ce que je vais faire plus tard dans la soirée. Ouais, parce que je vais tourner ça un petit peu plus tard. Du coup, encore une fois, je me perds dans mes mots. Hein. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est les survies où je discute. Hein. En tout cas, ça fait très plaisir. Hein. Je vais vous mentir quand j'ai commencé à. Oui, je pars sur un autre sujet. On y reviendra. Faut pas s'inquiéter sur les. Globalement, ça. Voilà. Je vais juste terminer. Ouais. Globalement, ça m'a donné envie de refaire Conquest. Je vais vous mentir. Je me suis dit, est-ce que je prépare Conquest? Le problème de Conquest, c'est que c'est quelque chose d'assez long, dur et je suis pas sûr d'avoir réellement le temps actuellement pour pouvoir faire ça. Pourquoi j'ai l'impression que déjà la nuit est en train de tomber? C'est pas normal. Par contre, j'ai plus trop de pierres, j'ai plus trop de bois. Putain, pardon, pardon. Punaise, je croyais que c'était un. Bigre, je croyais que c'était un stick, mais non, c'est ma lance. Continue à couper du bois. Ils me sont sympathiques. Vous savez, ce que je peux faire, c'est mettre des torches dans la zone. Alors. Déjà, ça va les éviter de spawner juste à côté. Et ensuite, ils vont être attirés par ces torches. Qui, certes, vont entourer ma maison, mais. Qui me permettront un petit peu de. Bon, ça me permettra de les attirer en fait. C'est un peu con, j'avoue. Non, vous inquiétez pas, c'est très intelligent. Je suis sûr que mon plan va marcher. Parce que les zombies sont attirés par la lumière. Et j'ai l'impression qu'il. Non, ça peut. Il fait pas nuit, c'est juste que le soleil est assez bas. On va faire gaffe quand même. On va récupérer du poids là. C'est un peu mort. On est d'accord que c'est pas moi qui place ce boulot aussi. J'ai peut-être des problèmes, je me rends pas compte. Ah, oh, je voulais récupérer du sable. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour le sable, c'est pas grave. J'y penserai la prochaine fois. J'ai besoin de faire du verre, c'est ça? Si je me souviens bien. C'est ça que je voulais. Du verre et un sable. J'ai pas assez de sable. C'est un petit oiseau. C'est beau, hein? Franchement, ce shader, encore une fois, est magnifique. Du coup, je sais même plus où j'en étais. Oh putain, je suis sûr que j'ai commencé à parler d'un truc et j'ai complètement oublié. Je suis parti sur autre chose et j'ai oublié de terminer ma phrase. Ça arrive. Que voulez-vous, ça arrive, hein? Mince, je passais bien. Alors, on va boire un petit coup. C'est de me rappeler hein, de quoi je voulais parler, j'ai complètement oublié. Je suis vraiment désolé. Hein. Je voulais parler d'un truc. Projet de série, je crois que je voulais vous teaser un truc. Je vous ai dit que ça m'avait rappelé Conquest. Hein. Je crois que je vous ai dit que j'avais commencé à parler de. La difficulté de refaire Conquest. Tiens, il a un bloc de pierre. Lui, il a une pelle. Donc ouais, je me suis dit pourquoi pas faire Conquest, mais ouais, j'ai plus. J'ai pas réellement le temps. Je vais quand même faire ça parce qu'il me fait un peu peur. Faut vous mentir. J'ai pas vraiment le temps actuellement de travailler sur Conquest. Ouais, on va partir d'un autre endroit. Ça pourrait être sympa de faire une série qui rappellera Conquest différemment, sur un autre format peut-être. J'y réfléchis, hein, j'y réfléchis. Bon déjà à l'époque le nouveau format de Conquest était censé être Blood Moon. Blood Moon qui n'est jamais sorti.
On avait pas mal travaillé dessus hein, on avait... avec The Blue Disease, avec qui on avait fait les Mindverse. Mindverse, ça serait bien que ça reprenne. Franchement, faut que je voie avec Bloody, j'aimerais bien reprendre Mindverse aussi sur une nouvelle formule. En fait, j'aimerais faire une tonne de séries. J'avais une série préparée pour l'anniversaire de l'année dernière, pour le 7e anniversaire, parce que là, on est sur les 8. Enfin, la chaîne a passé ses 8 ans, hein, je crois. Je crois que c'est ça, c'est 8 ans. Je vais faire une série sur le 8e anniversaire. J'ai pas eu le temps de terminer la chose. Donc, ça s'est pas fait. Voilà quoi, il y a vraiment trop de séries, j'aimerais faire beaucoup de trucs. Il y a Enter Z aussi, alors là j'ai été très malade donc j'ai pas pu travailler sur l'épisode 6 et l'épisode 7 qu'on va réaliser en même temps avec Black Jack et Museo. Et Museo aussi qui m'avait parlé d'un projet. Bon, il n'a pas reparlé plus, mais j'avoue, je. On a parlé, j'étais très malade à ce moment-là. J'ai un petit peu acquiescé sur toutes les choses en mode ouais, oui. Mais j'étais très malade donc bon, il faut qu'on voie avec lui. Ça ne vous regarde pas. C'est mes problèmes à moi. On va essayer ça avec lui si on veut faire ça. Continuer son projet avec grand plaisir, évidemment. J'aiderai avec grand plaisir toutes les personnes qui proposent le projet. Oh, du. Ouais, ce que j'étais en train de dire, enfin ce que j'allais dire plutôt que être en train de dire, une géole, ou une géole, je sais pas hein, comment ça se prononce, je m'en fous, je dis géole, et je dirais, oui il m'a fait peur, tu me dis c'est pas con non plus de savoir qu'il, mais non parce que si, ouais c'est un petit zombie, il rentre, il me tue, hein. On va éviter de les, on va pas laisser l'ouverture, c'est ça que je voulais dire. Bon, j'ai difficulté à parler aujourd'hui ou quoi? Bon, ça arrive, hein. Je dis ça, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup. Je ne me tais point. Bigre, c'est ça que je vais faire. Le bruit est un peu bizarre quand je pose une torche dessus. Alors, il y a des cristaux un peu partout. Ceux-là sont. Ils sont un peu bleus hein, quand ils sont complètement ressortis. Alors, c'est du saphir. Ça permet de faire un bloc de saphir qui permet de rien faire. Ok. Ça doit avoir une utilité, mais je ne la connais pas. On continue à creuser, hein. Ouais, j'ai du bois. On va se créer une table de craft, vous savez quoi? Qu'on va placer là au niveau de ce bordel. On va se reconstruire, on va se recrafter une pioche. Alors, ma nourriture, tout va bien. Je suis dit qu'il est pas mal pratique, hein. Enfin, pas mal joli, quoi. Ça relâche un peu la tâche. Non, c'est bizarre que ça me le montre tout le temps quand je dis. Bon, qu'importe. Hein. De pas trop y faire attention. Je sais plus ce que je disais. Ouais. du coup, oui, je crois que je parlais des projets avec les autres. Évidemment, avec les autres, avec grand plaisir, hein, s'ils ont besoin de moi pour leur projet. Je ne sais point ce que je suis en train de miner. De l'aluminium. Ça fait fondre, ça donne des lingots qui donnent de l'équipement en aluminium. Ok, ça c'est de l'équipement, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. Partie des une des composantes de Minecraft, hein, c'est miner. Ça peut sembler un petit peu long, chiant, mais c'est la vie. C'est la vie, on mine. À la mine, à la mine.
Non, je vais éviter de chanter. On va éviter. Rien à faire. C'est long de miner. Oui, je disais il y a 5 secondes que ça faisait partie des composants. Mais c'est parce que ça fait partie des composants de Minecraft que c'est pas chiant. Hein. Je meuble, hein, le temps qu'on tombe sur un minerai. T'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver. J'ai l'impression que c'est vraiment que j'ai pas posé de torche. Non, ça va. Bah mon con, c'est les minerais, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Je suis désolé, ça me fait rire, ça me fait complètement rire. J'ai pas de minerai, bientôt mes pioches sont pétées. J'ai rien du tout. Là, j'ai oublié de placer les torches. Alors, c'est un peu abusé ce moment. Je vais remonter. Pas très agréable. Hein. On se tape la tête, je crois qu'on monte. Des gens contre des façons d'optimiser les bines. Mais bon, je me sers pas de ça moi donc. Moi c'est long quand je mine. C'est long quand je remonte aussi. Alors, je me demande bien quel temps il fait dehors. Il doit faire nuit normalement, je dirais. Mais il va faire nuit, mais dans très peu de temps il fait jour, je pense. Ça. Les zombies tournent autour. Ça, c'est normal. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais tu t'es encore poussé, toi? J'ai un poulot qui me harcèle. Je sais pas comment empêcher de se pousser. Si, en fait, je sais comment l'empêcher de pousser. Et comme quoi, j'étais pas mal dans les temps. Hein. C'est vraiment. Nuit avec le jour qui se lève. Leur vitesse il fait jour, mais qu'est-ce qu'il tient? Il tient un œuf. Wow. C'est normal ça. Fait jour, ça veut dire que le. Ça veut dire que l'épisode est bientôt terminé en fait. J'ai l'impression qu'il est passé super vite. Ça arrive, hein. Que voulez-vous? Ouais, on va peut-être pas faire que des escaliers quand même. On va terminer ce petit toit. Je vais enlever la torche, j'ai l'impression que ça fait une lumière blanche assez dégueulasse sur l'écran. Façon, j'arrête quand l'épisode fait 20 minutes, je dirais. Quand j'ai terminé ce que je suis en train de faire. Tat, 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 tat. Les zombies sont assez dérangeants. Hein. En cours, même si on n'a pas le parcours, là, comme c'est un zombie, ça, ouais, on va à nouveau en tuer un, même si c'est assez compliqué. Ok, compliqué, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, c'est long. Malheureusement très résistant. Je cherche du sable. Où c'est qu'il y mince, 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 mince. Du sable pour terminer cet épisode. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mes fioles. Ah, je suis en train de me dire qu'en fait je peux les. Je peux les remplir, j'ai de l'eau.
dans ma base. Mon camp de base. Je cherche mes baumes, mais je cherche aussi du sable. J'ai du mal à faire les deux. Oh. Oui, il y a vraiment une super cavité à côté de ma maison. C'est quoi, je vais dire maison, j'en ai marre de dire camp de base. J'avais récupéré du sable avant, c'est-à-dire qu'il doit pas normalement être loin celui-ci. Putain, je suis allé que là-bas, non? Peut-être là-bas. Ouh, je vois du sable. Une bonne nouvelle. J'entends un zombie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. Elle fait juste pas très mal la lance, je suis en train de me poser la question. Peut-être que l'épée fait plus mal. Elle tape plus vite. Ok. Je présume que j'ai assez de sable. Oui, en vrai, ça m'étonnerait que j'en ai pas assez. Terminer un petit peu le toit de la bâtisse. Alors, bah, il manquera encore des escaliers. Comme quoi, va me coûter cher en escalier cette maison. Du coup, ça cuit. C'est cuit. Le sable, il m'en faut un. L'isage, il m'en faut un. En sable normal. L'eau. Je commence à avoir soif. Suis en train de transformer la terre en boue sans faire exprès, je sais même plus qu'il y avait ça dans Minecraft. Alors, comment j'en ai 12, ça veut dire. En fait, je suis en train de me bouger parce qu'il est 22 là. Boum boum. Ok. On est équipé maintenant. C'est la fin de cet épisode 2 de The Crafting Dead Rebirth. Rebirth ou anniversaire, hein, toi-même tu sais. Je suis en train de me demander si j'ai dit le nom de la série au début ou si je me suis trompé de nom. Vous le savez, moi je ne le sais pas. J'ai tourné cet épisode. Je suis en train de me dire que l'épisode est passé très très vite. C'est une bonne nouvelle, mais enfin, c'est passé très très vite pour moi, vous je ne sais point. Du coup, je vous dis au revoir à tous et on se retrouve pour l'épisode 3 de The Crafting Dead Rebirth. Au revoir à tous et à la prochaine. Oui.